Cher Madouillien, chère Madouillienne, je sais que vous êtes fan du Docteur Who. En effet, j'ai vu que dans les statistiques, cette série avait beaucoup de succès sur mon blog. Et on va parler, parce que nous on est en preview, on voit directement la BBC chez Madouille, on va vous parler de cette sixième saison. Alors un petit résumé du Docteur Who, mais rapide. C'est l'histoire d'un seigneur du temps, un extraterrestre qui voyage dans le passé, dans le présent, dans le futur, et qui sauve depuis 30 ans la Terre. Souvent il est accompagné d'une jeune femme, parce qu'il a quand même plutôt bon goût le Docteur. Et dans cette nouvelle saison, il y a eu de gros changements. Déjà, depuis 2 ans, on a Matt Smith, un nouvel acteur, pour interpréter le rôle principal, tenu par David Tennant. Et le gros changement, surtout depuis la saison dernière, c'est l'arrivée de Stephen Moffat comme showrunner. Alors, quel est ce terme showrunner en anglais? C'est tout simple, c'est la personne qui supervise toute la saison et qui écrit les scénarios principaux. C'est ce petit gars qui dans l'ombre vous donne l'unité. Pendant 5 ans, ça avait été Russell T. Davis qui avait été le scénariste de Queer as Folk et de Torchwood. Maintenant, c'est Stephen Moffat qui avait signé quelques épisodes. Alors Stephen Moffat, tout le monde dit qu'il est un génie, il vient de signer le Tintin de notre ami Spielberg. Et ben moi j'ai quelques doutes. Depuis ces nouveaux épisodes. Déjà, les 2 premiers épisodes qui commençaient avec une nouvelle saga autour des Silencers extraterrestres me font dire que le gars est toujours un peu dans la répète. Il y a un problème de temps. On peut pas avoir 50 000 actions dans 1h30, voire dans 42 minutes. Il a un vrai problème à gérer ses intrigues. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on met plein d'intrigues qu'on résout les questions essentielles. Le truc de mettre plein d'intrigues, c'est fait qu'on se perd en tant que spectateur et qu'au fur et à mesure des épisodes, Moffat ne répond pas à toutes les questions narratives. Le troisième problème, c'est que c'est bien de faire des personnages plutôt sympas au début, mais faut les développer, faut les caractériser. Moi, l'héroïne, la petite ponde, je comprends pas ce qu'elle veut. Et pour moi, avant tout en écriture, un personnage doit savoir où il va. Quatrièmement, il y en a marre de toujours utiliser les mêmes clichés de scénario. Dans le dernier épisode avec les pirates, Rory est une nouvelle fois mort. Et il va mourir combien de fois, les gars? Mais c'est pas possible! Il y a d'autres idées! Mais en fait, il commence quand même à me gaver. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un monstre dans le coin de l'œil, ou un monstre qu'il ne faut pas regarder, ou un monstre qui se cache sous vos pieds, bientôt dans vos toilettes. Il y en a marre. À un moment, c'est bon, le monstre qui se cache au niveau du regard, il y a d'autres idées de scénario. Un bon showrunner comme Joss Whedon qui avait fait la série Buffy et qui l'expliquait très bien, c'est un gars qui retouche tous les scénarios pour que la série elle ait une... que vous ressentiez une unité. Que vous regardez Doctor Who, vous sentez une unité entre chaque épisode, vous sentez qu'une intrigue se développe. Et chez Moffat, on a l'impression que lui écrit les épisodes principaux et que les autres gars, ils écrivent tranquille, mais ça n'avance pas. Alors je sais, vous allez dire, mais pourquoi t'es aussi méchant avec Moffat? Parce que je suis mad, vous le savez bien, et parce que moi j'avais bien aimé, malgré tous les défauts, certains disaient qu'il allait trop loin, certains le trouvaient dans un imaginaire un peu trop fantasque. Moi j'aimais bien le travail de Russell T. Davis. Parce qu'avant tout, quand je regardais Doctor Who, je regardais une série anglaise avec ce côté un peu absurde, avec ce plaisir de toujours aller plus loin. Et là, Moffat, il a un peu, en faisant ses premiers épisodes aux États-Unis, enlevé ce côté anglais. Et moi, ça me gêne énormément. Donc j'espère qu'il va nous répondre à peu près à la milliard de questions qu'il a posées dans les 2 premiers épisodes, mais j'ai de sérieux doutes. Et enfin, faut arrêter de toujours reprendre les mêmes scénarios. Parce que moi, je me rappelle très bien que le dernier scénario, avec l'unité de secours dans l'épisode sur les pirates qui vient de passer sur la BBC, c'était le Docteur Dance dans la première saison, déjà écrit par Moffat. Alors, je sais, vous allez me dire, le dernier épisode, le 3e épisode, là, passé, il n'est pas écrit directement par lui, mais il est showrunner. Et un showrunner, il doit faire que sa série ait une unité. Donc, monsieur Moffat, reprenez-vous. Arrêtez d'utiliser toujours les mêmes ficelles scénaristiques et surtout faites-moi rêver, faites-moi revivre dans cette Angleterre magnifique, reprendre cette cabine bleue et vraiment, vous qui m'avez fait rêver avec vos épisodes comme Blink, redonnez-moi autant de plaisir. Sinon, malheureusement, je crois que je vais attendre cet été pour la nouvelle saison de Torchwood, dont le pitch est absolument emblématique. Et parce que Russell T. Davis m'a toujours apporté beaucoup de plaisir. Merci, monsieur Russell T. Courage, monsieur Moffat. Mais les fans de Doctor Who comptent sur vous.
Ba-do-do-da, 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 ba-do-do-da.